Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères. Christus natus est nobis venite adoremus. Ce sont les paroles par lesquelles nous avons commencé l'office de cette nuit, l'office des matines. Le Christ nous est né, venez, adorons-le. C'est ce que disent également les anges aux bergers, comme nous venons de le lire dans cette page d'Évangile. Un Sauveur vous est né, allez, adorez-le. Mais bien, chers frères, ces paroles résument non seulement le mystère que nous célébrons aujourd'hui, mais également l'attitude que nous devons avoir par rapport à ce mystère, c'est-à-dire l'adoration. Ce mystère, bien sûr, vous le connaissez, c'est le mystère non seulement de l'incarnation, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, Dieu le Fils, qui se fait homme, qui se fait l'un des nôtres et qui aujourd'hui apparaît au monde avec sa nature humaine. C'est le mystère de la fameuse union hypostatique, mystère qui est résumé dans les paroles, simplement « le Christ nous est né ». Christus natus est nobis. Ce Christus, ce mot que nous employons souvent, signifie celui qui est oint, celui que le Seigneur a oint de l'huile, c'est-à-dire le roi, c'est-à-dire le prêtre. Le roi était oint depuis l'onction du premier roi des Hébreux, Saül, avec une fiole d'huile sainte. Les prêtres aussi étaient oints avec de l'huile pour signifier la consécration à Dieu. Et notre Seigneur Jésus est appelé Christus, c'est-à-dire oint, tout simplement parce que il a reçu également la nature divine. Dès le premier instant de sa conception, notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. La nature divine vient comme oindre, consacrer la nature humaine. Voilà le mystère de l'union hypostatique résumé dans ce seul mot, Christus. Christus, notre Seigneur Jésus-Christ, loin, et roi et prêtre, dès le premier instant de sa conception, cet enfant que nous adorons dans la crèche, il est le roi. Il est le roi qui va inquiéter le roi Hérode, alors qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, notre Seigneur Jésus-Christ étant le roi des rois, étant Dieu. Il est prêtre, il est le prêtre, le premier prêtre, l'unique prêtre, duquel tous les prêtres participent dans leur sacerdoce. Il est le prêtre, c'est-à-dire le médiateur parfait entre Dieu et les hommes, car c'est cela le prêtre. Le prêtre, c'est celui qui est établi par Dieu entre lui-même et les hommes. Et notre Seigneur Jésus-Christ, étant Dieu et homme, est effectivement le prêtre par excellence. Et donc, vous voyez, celui qui nous est né aujourd'hui, c'est le Christ. C'est-à-dire, loin, c'est-à-dire Dieu lui-même, c'est-à-dire le roi des rois, c'est-à-dire le prêtre par excellence, le médiateur par excellence entre Dieu et les hommes. Le Christ, c'est également le Messie. C'est ainsi qu'il est désigné déjà dans l'Ancien Testament. Et quand les anges parlent aux bergers et disent « Eh bien, un Sauveur vous est né », tout de suite, les bergers qui connaissaient les Écritures, qui connaissaient les prophéties, eh bien, ils voient la réalisation de la venue du Messie, du Roi des Rois, de même que les mages
Les mages, dès qu'ils verront l'étoile briller dans le ciel, eh bien, auront compris que le Seigneur visitait la terre. De même, Hérode, comme je vous l'ai dit, craint que sa place ne soit prise par ce petit enfant. Voilà, mes bien chers frères, le mystère de l'union hypostatique. Jésus est à la fois Dieu et homme. Et de ce fait, il est notre médiateur par excellence et il est notre roi. Notre attitude, donc, mes bien chers frères, est celle qui est exprimée dans ce verset. Venite adoremus. Venez, adorons-le. Comme l'ont dit les bergers, transeamus usque Bethléem et videamus. Allons jusqu'à Bethléem et voyons. Allons et adorons. De même, les mages, dès qu'ils verront l'étoile, se déplaceront et quand ils arriveront devant notre Seigneur Jésus-Christ, ils l'adoreront. Adorer, mes bien chers frères, c'est l'attitude de celui qui reconnaît dans celui qu'il adore, qui reconnaît son Dieu. L'adoration, elle est due uniquement à Dieu. Nous le répétons aux petits-enfants. Nous le répétons qu'il ne faut pas employer ce mot « adorer » n'importe comment, comme on le fait aujourd'hui. Non, il faut leur inculquer effectivement qu'on adore Dieu seul. On adore Dieu seul. Et si on adore Jésus, cela signifie qu'il est effectivement Dieu. Adorer, eh bien, c'est reconnaître ce mystère avec un esprit de foi. La base de l'adoration, c'est la foi. C'est de croire que sous cette apparence fragile, sous cette apparence qui est en même temps une réalité, notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment un homme. Ce n'est pas seulement donc une apparence. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment homme. Mais sous cette nature humaine, il y a également la nature divine. Et étant donné qu'elle n'est pas finalement très bien manifestée dans ce petit enfant, eh bien Dieu, que va-t-il faire? Il va faire apparaître une foule innombrable, des milices, nous dit la Sainte Écriture, d'anges qui vont chanter. Dieu va faire apparaître une étoile, Dieu va faire apparaître une grande clarté. Personne ne peut ignorer cette nuit qui brille, comme nous le disons dans la raison de cette nuit. Elle brille de la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, elle brille de la lumière de la gloire rendue par les anges à notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous aussi, nous devons nous prosterner, comme le disait ce psaume d'invitatoire, « Venite adoremus et procidamus ante Deum » et prosternons-nous devant Dieu qui nous a fait. C'est cela l'adoration, c'est se prosterner devant Dieu qui nous a fait. Et cet enfant, ce Jésus que nous l'adorons parce que c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous a rachetés. Voilà ce que nous adorons dans l'enfant Jésus. Nous adorons cette divinité, certes cachée, mais qui est bien présente, et cette divinité qui nous a fait. Jésus nous a fait, Jésus est notre Créateur, et c'est ce que nous devons aussi considérer aujourd'hui. Approchons-nous de la crèche avec joie, mais approchons-nous de la crèche avec cet esprit de foi et avec cette crainte. Comme les bergers, si vous l'avez remarqué, eh bien, ils ont eu une grande crainte quand ils ont vu les anges apparaître. Ils se disent, que se passe-t-il? Eh bien, cette crainte, c'est la crainte de la divinité, c'est la crainte de la majesté divine, c'est la crainte par laquelle nous pouvons nous humilier devant Dieu. En effet, nous devons craindre ce Dieu
qui est capable de se faire l'un des nôtres. Nous devons craindre ce Dieu qui nous a créés. Nous devons craindre ce Dieu parce que, mes bien chers frères, s'il s'humilie jusqu'à nous, c'est parce que nous avons péché. Nous ne devons pas oublier, de même, quand nous approchons de la crèche, eh bien, si nous adorons, c'est aussi en tant que pécheurs. Nous devons craindre l'humilité de Dieu. Nous devons craindre cette humilité de l'enfant Jésus, car c'est cette humilité qui nous condamnera si, malheureusement, nous n'adhérons pas au plan divin, si malheureusement nous n'adhérons pas à la rédemption. Lui s'est humilié et il nous dit alors à vous de faire de même. Lui est venu nous chercher en se faisant l'un des nôtres, en nous donnant même sa nature divine par la grâce. Vous le savez, la grâce est une participation à la nature divine. Eh bien, nous devons craindre, mes bien chers frères, ce mystère. C'est un mystère qui, en réalité, est terrible, parce que si nous ne répondons pas aux avances de notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous serons condamnés, nous n'aurons aucune excuse. Il s'est manifesté aux hommes d'une manière précise, d'une manière visible. Alors, si nous ne le suivons pas, si nous ne l'adorons pas, si nous ne répondons pas au salut qu'il nous a apporté, eh bien, nous aurons la condamnation que nous méritons. Et nous, aujourd'hui spécialement, nous avons cette grâce de vivre après notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une grâce extraordinaire que n'ont pas eu les nations qui sont venues avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc les hommes seront d'autant plus coupables, les hommes qui naissent aujourd'hui seront d'autant plus coupables de n'avoir pas connu notre Seigneur, car notre Seigneur s'est manifesté très visiblement. Le Christ, mes bien chers frères, donc, nous est né, adorons-le. Et, mes bien chers frères, vous voyez que j'ai laissé de côté un des mots de cette invitatoire de la messe, de la fête, pardon, de Noël. Le Christ nous est né. Christus natus est nobis. Et je voudrais conclure avec cela. Nobis, ça veut dire que Jésus, le Christ, il est né pour nous. Il est né pour nous, il s'est incarné pour nous. Alors nous devons aller jusqu'à lui. Tâchons, mes bien chers frères, de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ, de mieux le reconnaître. Adorons-le, prosternons-nous devant cette majesté divine qui vient à nous pour nous ramener à lui. Répondons, mes bien chers frères, à son amour par notre amour, à ce don de lui-même par le don de nous-mêmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.